Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Lidl du Ménilantel pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale promotion. Et je commence par ceci, c'est les nouveaux parfums à 5€, les 75 ml. Ils sentent divinement bon. Je les ai testés tout à l'heure sur ma main lors de ma précédente vidéo. C'est une tuerie. Franchement, ils sentent trop bon. J'en ai encore là, bon, vous verrez rien, mais très très bon. 5€, les 75 ml. Je poursuis à côté avec les huiles essentielles qui sont de retour à 4,80€, les 30 ml, rose, argan ou huile d'arbre à thé. Tous les ans, elles sont là, c'est des huiles 100% naturelles, hein, avec la première pression à froid, 4,80€. Alors cette semaine, il y a énormément de choses en rayon, plein de cochonneries, plein de trucs sympas. Franchement, on va faire un mix. Mais si vous allez chez Lidl, c'est sûr que vous allez craquer, croyez-moi. Regardez les petits cookies. Donc là, il y a M&M's, Bounty, Twix. C'est 2,46€ le paquet en double chocolat. Vous avez donc coco et chocolat au lait. Et celui-ci, c'est caramel. Chocolat caramel. Allez, pour les adultes ou les enfants, hein, les deux. Les Mister Freeze, ça c'est toute mon enfance. On allait au bureau tabac en acheter. Il y avait les maxi et les normaux. 2,91€ prix de base pour les 20 et ça passe à 2,18€. Donc les goûts, c'est tropical, cola, fraise, limonade et framboise. Par ici, vous avez des belles boîtes de biscuits à 4€. C'est marrant parce que ça aussi, ça me rappelle mon enfance. Les grosses boîtes de biscuits danois là. C'est bon avec le café, j'aime bien. Ça coûte 4€, il y a 750 grammes. C'est toutes les mêmes, hein. Vous choisissez juste le design de la boîte que vous pouvez garder après, enfin, même pour offrir, c'est sympa. 4€ les 750 grammes. Et au-dessus, on a les nouveautés Kinder, donc à 2,30€ les 150 grammes. Bon, je vous montre des derniers gâteaux. Après, vraiment, promis, je vais voir ailleurs, mais regardez ça. Franchement, ça, c'est aussi un souvenir d'enfance, les figolus. Alors, tout le monde n'aime pas, hein. Moi, perso, j'adore. C'est 1,40€ les 192 grammes. C'est de retour. Je ne savais même pas que c'était revenu. Il me semblait qu'il n'y en avait plus un moment. Allez, par ici, on a moins 40% sur les dentifrices Signal. Prix de base 2,95€. Ça passe à 1,77€ les deux. Donc ça, c'est cool. Dentifrice, j'achète que quand c'est en promo, hein. L'eau micellaire. Je ne sais pas si vous êtes toutes à utiliser ça. Perso, moi, j'en utilise tous les jours. Là, elle est à moins 40 aussi. 1,95€ au lieu de 3,25€. Ça, même si vous ne vous maquillez pas, prenez un coton. Mettez un peu d'eau micellaire dessus, vous allez voir l'état de votre coton après. En fait, c'est une eau avec des micelles qui vont capter toutes les petites impuretés, même la poussière, vraiment des choses invisibles à l'œil nu. Et c'est vraiment génial. Voilà, ça coûte 1,95€. Ouh là là, ils ont dévalisé la lessive là, donc je me dis que ça doit être un plan incroyable. Si les Ariel Pods, ils sont à 9€. 9€ les 36. 22€ achetés, 14 pods offerts. Donc ça, c'est 9€ la boîte en Ariel. Et derrière, il y a du Dash. Le Dash, il est à 10,50€. 23 capsules plus 15 offertes. Il y en a 38. C'est plus cher, hein, les capsules, que la lessive liquide, hein, on dirait. Vous avez également en promo le Sun, tout en un. Donc là, c'est 5,90€ les 60. C'est 30 plus 30. Voilà. Pour la team qui fait la vaisselle à la main, même si on a toujours une casserole à nettoyer à la main. Alors là, il y a une offre ici, je me rapproche pour vous montrer. C'est 1,75€ le premier produit et le deuxième à 52 centimes. Vous gagnez 70% sur le deuxième. Ce qui fait que quand vous en prenez deux, c'est 2,27€ les deux. Donc voilà. Par contre, il n'y a que celui-là, hein, le Brillance. Le Lénore adoucissant. 5,70€ le litre. 1 litre 0,35 pour être précis. Et à côté, vous avez les capsules W5 qui marchent très bien aussi. C'est 4€ les 44. Donc c'est 40 plus 4 offertes. Je vous dis, le parfum là, c'est une dinguerie. Je le sens alors que je me suis parfumée ce matin, mais je sens celui-là, quoi. C'est fou. Allez, pour les jolies qui aiment le miel ou pour faire un petit cadeau à sa maman, c'est bientôt la fête des mères. Vous avez ici des coffrets dégustation à 8€. Donc les trois pots, miel de châtaigne, c'est tout made in France, hein. Miel de lavande de Provence, miel de châtaigne de la Sarthe, miel de Bourdaine de Corrèze, 8€.
Et à côté, il y a des boîtes à sucre. C'est des coffrets boîtes à sucre. Dedans, il y a des galettes bretonnes. Ça coûte 4 euros. Donc, c'est les madame, monsieur, hein, qu'on connaît bien. Il y a plein de sortes différentes. Mais je vois pas, c'est... Alors, madame fabuleuse. Comme il y a l'étiquette dessus, on voit pas trop c'est madame qui. 4 euros. Et en dessous, il y a ceux-là, là, les... Mère Poulard. À 6 euros la boîte. C'est du pur beurre. Elles sont super belles, ces boîtes. Hein. Les jolies, avant, j'ai oublié de vous montrer ceci. Les lingettes des Colorstop. C'est les 50 à 4,45 euros. Et on a des prix aussi sur les serviettes Always en coton bio. C'est les 12 à 1,82 au lieu de 2,60 euros. Et pour la team tampon, c'est 2,62 les 16 au lieu de 3,75. Donc là, c'est pas mal la promo. Les lingettes, bah, c'est 2,45 les 50. C'est origine végétale aussi. En Ajac. Allez, du coup, c'est la semaine grecque. Je voulais regarder un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose au niveau sec. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller au rayon surgelé. Vous voyez les escargots, là? Attendez, je vais ouvrir 2 minutes. Parce que je ne peux pas vous montrer. Sinon, c'est 3,50. C'est de la pâte feuilletée fourrée dans le fromage feta. Hein. C'est excellent. Et à côté, vous avez des petits chaussons avec du sésame. C'est aussi à base de feta. C'est 3 euros. Mais celui-là, là, c'est vraiment particulièrement bon. Avec une petite salade verte, c'est excellent. En dessous, ceux-là, je peux vous les montrer, ça va. Il y en a d'autres aux épinards. Donc, c'est pareil, épinards, fromage. C'est 3 euros le kilo. Et alors là, il y en a des petits, mais j'ai... Ah si, j'ai le prix, c'est ça. C'est 3 euros, ceux-là, là. C'est toujours au fromage, hein. C'est juste les formes qui changent. Et à côté, c'est pommes de terre, olive feta. Ça a l'air trop bon, ça. 2,50 euros. Là, il faut à tout prix que je m'arrête, parce que l'autre fois, j'ai acheté des glaces. Et je me suis dit, la prochaine fois que je fais une vidéo... Il faut que je leur dise. J'ai acheté celle-là, là. Coconut. Mais c'est une tuerie. Elles sont meilleures que la marque qu'on trouve en supermarché. Je sais plus c'est quoi la marque, d'ailleurs. Moi, j'ai pris coco parce que, bon, c'est vrai que mon mari, il aime pas la coco. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais les prendre. C'est une dinguerie. Je crois que j'en ai mangé deux le premier jour. Après, je me suis dit, calme-toi. C'est trop, trop bon. Il y a aussi au caramel beurre salé. Et franchement, le prix, quoi, c'est 1,95 les 6. Le cornet, il est croustillant, c'est généreux en chocolat, le goût de la glace, c'est pas trop sucré, vous savez, vous n'avez pas la barre là dans le cou, c'est excellent. Bon allez, je continue, je vais me balader, il y a un monsieur, il marchait là, regardez, je vais vous montrer, il marchait avec 1 kg de sucre fin, et en fait, il voyait pas, mais le truc, il coulait, et du coup, il a tout mis par terre, le pauvre. Allez, je vais voir côté fruits et légumes, regardez, il y a des mangues, elles sont à 99 centimes pièce, origine Côte d'Ivoire, autant vous dire que c'est un bon prix, parce qu'en ce moment... Le prix des fruits et légumes, c'est horrible. Les grandes cagettes comme ça, il y a 1 kg hein, de tomates cerises, origine France, c'est 5 euros. Le melon, c'est 3 euros. C'est un melon charentais, origine Maroc. Voilà, donc c'est 3 euros la pièce. C'est hors de prix en ce moment, les fruits et légumes. Franchement, c'est terrible. Vous avez ici des cerises. Et franchement, le prix, il n'est pas très cher par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. C'est 8 euros le kilo. Donc 4 euros les 500 grammes. Dans le marché, c'est plutôt dans le tour de dans les autres magasins, hein, 14 euros, 15 euros le kilo. Donc ouais, les mangues, il y en a plein, plein, plein. Ils ont reçu un gros arrivage. Ensuite, on a des avocats origine Afrique du Sud. C'est 2,50 les deux. Ceux-là, ils sont mûrs à point, donc il n'y a rien à faire. Hein, vous les prenez, vous les consommez tout de suite. Et en dessous, vous avez avocats origine Mozambique. Alors non, c'est les filets, ouais. Les filets, j'achète jamais les filets. C'est 3 euros les 3. Parce que comme ils sont pas mûrs, enfin, cela dit, si vous voulez les faire mûrir vite, les avocats, vous les mettez dans votre corbeille à fruits à côté des bananes. Un jour après, ils sont bien mûrs. Et ici, vous les avez à l'unité origine Kenya, ceux-là, ils sont bien mûrs, hein, à 1,09 pièce. L'ananas, j'en ai acheté un l'autre fois, 2 euros origine Costa Rica, il est super bon, il n'y a rien à dire. Et ici, vous avez des pomelos à 99 centimes la pièce, origine Afrique du Sud. Les mandarines, c'est 3 euros le kilo, origine Israël. Et je regarde les citrons, origine Espagne, c'est 3 euros le kilo. Bon, il y a des fraises aussi, origine Espagne, et c'est 1,80 les 500 grammes. Les mûres, c'est 2 euros la petite barquette, c'est quoi, c'est 125 grammes, ouais. Origine Espagne, et vous avez des framboises du Maroc à 2 euros les 125 grammes. Ah, les raisins, j'en ai acheté l'autre fois, 3,50, origine Chili, ils sont super bons. Excellent.
Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve un petit peu plus tard. Prenez soin de vous, surtout. Bye.